Donc vous avez beaucoup parlé de Ella Gariani, qui est la directrice de projet donc à la délégation ministérielle du numérique en santé, qui fait partie de ces acteurs et de l'équipe qui vous entoure pour mener à bien les actions tracées par la feuille de route. Donc Ella Gariani nous a rejoint et va nous préciser quelles sont les principales actions de la délégation du numérique en santé. Pour aider les établissements et les services médico-sociaux. Donc, Ella, Oui, bonjour, merci Dominique. J'espère que vous m'entendez bien. Donc effectivement, pour rebondir un peu sur ce que nous a présenté Dominique Pont, là, je veux dire, nous, ce qu'on fait au sein de la DNS et avec l'ensemble des acteurs qui, au niveau national, contribuent à mettre en œuvre la feuille de route du numérique en santé, d'abord, c'est de définir le quoi. Dominique nous a parlé de ce fameux code de l'urbanisme qui définit le cadre commun partagé aussi bien au secteur sanitaire qu'au médico-social et à l'ensemble des acteurs de manière générale dans le secteur du numérique en santé. Et donc, quand on veut dire de quoi est-ce qu'on parle, nous, on a construit cette feuille de route avec un ensemble d'actions qui présentent à chaque fois l'idée globale autour d'un service socle numérique qui est une de ces fondations de cette architecture globale qu'on essaie de déployer dans le secteur du numérique en santé. Et en fait, au fur et à mesure de nos présentations, notamment à l'occasion du Tour de France en 2019, on s'est rendu compte que parfois ces objets dont on parlait dans la feuille de route n'étaient pas complètement adaptés à la manière dont le médico-social appréhendait ces questions-là. Pour différentes raisons, notamment une que vous avez citée, la diversité des acteurs qui du coup s'organisent souvent différemment. Et donc, on a fait cet effort au niveau national, mais aussi en partant des retours qui nous étaient remontés du terrain, déjà de traduire que voulait dire l'ensemble de ces projets pour les acteurs du médico-social. Grosso modo, les traduire, ça veut dire définir des cas d'usage qui soient adaptés aux besoins et au contexte des acteurs du secteur médico-social. Mais c'est aussi définir des jalons qui sont adaptés aux mécanismes de financement, aux mécanismes de mise en projet, au niveau de maturité aussi de ces acteurs-là. Et donc ce document, on l'a consolidé à la fin de l'année 2019, début d'année 2020. On l'a publié ouvert à concertation pendant l'été. On a reçu un grand nombre de concertations extrêmement riches des acteurs du terrain. Je pense notamment aux experts de l'ANAP et Benoît nous en parlera peut-être un peu tout à l'heure, qui nous ont apporté énormément de matière en nous invitant parfois aussi aller plus loin et revoir un peu ce qui était pour nous prioritaire. Et donc, enrichi de ces contributions-là, l'idée pour nous, ça a été tout d'abord de fixer ce cadre qui est la trajectoire, qui est un cadre qui va évoluer au fur et à mesure de la montée en maturité des acteurs et du déploiement de la feuille de route, et dont une version consolidée sera de nouveau publiée au mois de janvier 2021. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de montrer à voir aux acteurs du terrain pour qu'on ait tous une même feuille de route, une même trajectoire partagée qui définit donc ces projets collectifs qu'on doit mettre en œuvre ensemble pour définir le cadre commun du déploiement du numérique dans le secteur médico-social. Riche aussi de ces contributions-là, on s'est dit que c'était absolument nécessaire de maintenir le lien fort avec les acteurs de terrain permanent qui nous permettent systématiquement de re-questionner nos priorités, de re-questionner notre façon de faire, de re-questionner les projets et les priorités qu'on met sur le terrain, d'aussi voir quand on est à côté de la plaque, qu'on n'est pas dans les clous, qu'on ne répond pas là aux enjeux de terrain. Et donc dans ce cadre-là, on a créé un groupe de travail dans le cadre du Conseil du numérique en santé, qui est une des instances de gouvernance qui incarne un peu le principe de gouvernance inversée que décrivait tout à l'heure Dominique. Et donc, dans ce cadre-là, dans le cadre du Conseil du numérique en santé, on a ouvert au mois de septembre dernier des groupes de travail. Quand je dis ouvert, ça veut dire que toute personne intéressée par les questions propres au déploiement des usages du numérique dans le secteur médico-social sont invités à nous rejoindre pour venir construire des choses qui soient encore une fois toujours alignées avec notre manière de faire au sein de la délégation et de manière générale la politique du numérique en santé, de livrer des choses qui soient pragmatiques, des choses qui soient d'intérêt pour les acteurs eux-mêmes, mais aussi qui puissent venir alimenter les réflexions au niveau national pour qu'on s'assure que les actions directrices qu'on mette en œuvre, elles soient bien collées au plus proche des attentes qui nous remontent du terrain. Donc ces groupes de travail-là, je vous disais, ils se sont réunis pour la première fois en septembre. L'idée, ça a été aussi de faire en sorte que ce soit les membres du groupe qui nous disent quelles sont les priorités de travail,
Donc, on a soumis les sujets prioritaires à aborder dans le cadre de ce groupe de travail au vote des participants. Et donc, il y a 5 thématiques qui ont émergé autour de renforcement du pouvoir d'agir des personnes grâce au numérique, autour des sujets de mutualisation auprès des acteurs du secteur médico-social, mutualiser les compétences et les outils, autour aussi de l'interopérabilité, comment est-ce qu'on fluidifie les échanges de données internes au secteur et avec le secteur sanitaire également, autour de la mise en pratique, d'identifier les cas d'usage qui ont de la valeur pour les acteurs du terrain, et enfin autour de la contractualisation des sujets numériques, comment est-ce que je fais en sorte que le numérique ce soit un sujet visible pour les dirigeants, les cadre dans les établissements médico-sociaux, eh ben, il faut que ça rentre dans les schémas de contractualisation classiques utilisés par le secteur. Donc ça, c'est nos gros sujets de travail avec l'écosystème, avec les membres du groupe de travail du CNS pour toute l'année 2020-2021. Et puis, Dominique l'a dit, hein, qu'est-ce qu'on fait pour aider les acteurs du secteur? Bien sûr, on définit un cadre, bien sûr, on fait en sorte de travailler ensemble, mais surtout, on a obtenu là les moyens de nos ambitions avec un plan d'investissement qu'on appelle donc le Ségur, qui s'inscrit directement dans la continuité des travaux menés par la CNSA, la DGCS, l'ANAP et l'ANS également, dans le cadre de ce qu'on appelle ESMS numérique. Donc ça, c'est Olivier qui nous en touchera un mot tout à l'heure. Je veux juste dire que la CNSA, dès février 2019, elle a réussi à consolider ce qu'on appelle le fonds d'amorçage, c'est-à-dire 30 millions pour déjà mettre le pied dans la porte, faire du numérique dans le médico-social un sujet d'investissement. Et sur la base de ces constats-là et des travaux aussi qui ont été menés pour instruire le sujet et mettre les premières bases de réflexion sur ces thématiques-là, et ben nous, on a pu aller convaincre pour montrer qu'il fallait en faire un sujet d'investissement qui soit pérenne, pluriannuel et avec des moyens conséquents pour répondre aux enjeux. Donc, d'ici la fin de l'année 2020, d'abord, vous allez voir des choses arriver autour du programme fonds d'amorçage et ensuite, on va au fur et à mesure cadrer ensemble ce qu'on va faire de ces 600 millions. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'on va continuer à déployer des dossiers informatisés de l'usager qui répondent à des règles aussi bien techniques que fonctionnelles qu'on aura du coup construites ensemble dans le cadre de SMS numérique et déployées en fonction des retours qui nous seront faits. On va continuer à améliorer l'interopérabilité dans le secteur, faire en sorte de fluidifier les échanges en interne des établissements, en interne du secteur médico-social et avec le secteur sanitaire. On va déployer les services et les référentiels socles dont vous a parlé Dominique, ces fameux routes, ponts, tout à l'égout. Et là, oui. Je dois aller plus vite. Non, mais je pense qu'Olivier va maintenant nous décrire effectivement les composantes de ce programme avec le fonds et effectivement l'utilisation de ce fonds d'amorçage de la Caisse nationale Solidarité Autonomie. Est-ce que Olivier est toujours avec nous puisqu'il nous avait. Oui, bonjour Olivier. Bonjour Paul. Avec donc vous êtes directeur adjoint. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà. Ce qui est terrible, c'est que plus on intervient tard et plus on dit mais c'est un tel qui va en parler. Le pauvre Benoît, qui je crois intervient en dernier pour la NAP, mais il a aussi plein de choses à dire et on en est. Chacun votre partie et tout ça est très complémentaire. Et donc, ce qu'on aimerait, c'est vous entendre sur les grandes composantes de ce programme, ouais. De ce programme fonds d'amorçage de 30 millions d'euros. Ouais. Et c'est un programme qui a tout à fait trouvé sa place. C'est vrai qu'elle l'a dit finalement, on l'avait constitué un petit peu avant la feuille de route, mais on a trouvé notre place tout de suite parce que cette idée, elle est plutôt utilisée. Finalement, cette transformation-là. On vous entend médiocrement. Ah, voilà. Je vais tenter. Vous mettez un casque. Ça devrait être. Oui. Non. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que là, vous m'entendez? Ah, c'est encore pire, là. Voilà. Alors, je vous prie de m'excuser. Tout à l'heure, ça marchait. Là, c'est mieux. Ne bougez. Ok. Alors, ce fonds d'amorçage, l'idée, c'est qu'on a, on part du constat qu'on a tous partagé jusqu'à présent aujourd'hui. On avait 3 leviers sur lesquels on s'est dit qu'il fallait impérativement agir. Si on voulait vraiment engager, enclencher, 30 millions, c'est peu. Dominique l'a dit, on a multiplié par 20, mais on avait cette marge qu'on a pu dégager sur nos ressources propres pour engager, enclencher le mouvement. Les 3 leviers sont lesquels?
Le premier, c'est l'offre. C'est l'offre, je veux dire, l'offre industrielle, l'offre des éditeurs, où finalement, on a quelque chose qui existe depuis très longtemps, qui est très professionnel. Mais finalement, on n'a jamais exprimé, nous, État, et Dominique l'a dit, on n'a jamais exprimé à un moment un niveau d'exigence ou une orientation, une trajectoire sur laquelle s'engager. Finalement, ce qu'on s'est dit, c'est que notre premier levier pour rendre service au secteur, c'était d'accompagner, de travailler sur l'offre pour la rendre, j'allais dire, compatible avec cette feuille de route qui est exigeante, et en particulier en matière d'interopérabilité, on pourra en dire quelques mots. Le deuxième levier sur lequel on s'est dit qu'il fallait agir, c'était évidemment la demande. On a eu, Dominique le rappelait, Hôpital Numérique il y a une douzaine d'années, on n'a jamais eu l'équivalent. Et aujourd'hui, il y a un soutien pour le secteur, mais il a été porté localement, mais il n'a jamais été porté nationalement. Et on s'est dit, il y a deux enjeux sur l'offre, sur la demande. Le premier, c'est de solvabiliser, d'aider, d'accompagner financièrement, de subventionner les structures qui s'engagent dans un programme numérique. Mais le deuxième élément, c'est aussi de les aider à acheter. Parce que finalement, acheter un SI, on peut, hein, sur catalogue, on peut facilement trouver. Mais pour autant, comment est-ce qu'on s'assure que ce qu'on achète, c'est bien dans la trajectoire du numérique? Comment est-ce qu'on s'assure qu'on achète bien au regard du besoin, de l'état de l'art? Et en particulier, comment est-ce qu'on achète dans une logique un peu projet, un peu collective qu'évoquait Dominique? Parce que il est évident que ce n'est pas tout seul qu'on va pouvoir s'engager dans un projet numérique. Et donc, il faut réfléchir à plusieurs et avoir peut-être un coup de pouce pour savoir acheter ce dont on a réellement besoin. Et le troisième élément, et ça va avec, c'est que tout ça ne peut pas marcher si on n'a pas les ressources, et notamment les ressources humaines. Et donc, on a aussi souhaité, dès le départ, engager un effort sur cet aspect-là. Ce qu'on souhaite à travers ce fonds d'amorçage, c'est donc soutenir l'acquisition par des structures de solutions. Ça va être un premier élément qui va être se doter d'un dossier usager informatisé quand on n'en a pas, avec des conditions évidemment qu'on va fixer, j'en dirai deux mots. Ça va être aussi pour ceux qui ont d'ores et déjà un logiciel d'acheter une mise à niveau au sens d'implémentation de ces services socles, de ces services en sous-couche qui permettent réellement de traduire ce mode collectif, cette interaction, cette inscription dans l'écosystème numérique et dans l'écosystème numérique territorial. Ça va être travailler avec la messagerie sécurisée de santé, le lien avec le DMP, la e-prescription, tous les services socles finalement qui permettent l'échange entre structures. Et puis, ça va être aussi pour notamment les petites structures, la possibilité d'acquérir du matériel et d'être soutenu financièrement pour acquérir du matériel, que ce soit des postes de travail, des tablettes, un équipement Wi-Fi, tout ce qui très souvent fait défaut et qui finalement est absolument indispensable si on veut vraiment s'engager dans là-dedans. Pour structurer ça et pour donner de la lisibilité et ce levier que j'évoquais sur l'offre, on va sortir un marché national qui va permettre aux éditeurs d'être référencés et qui va permettre du coup de partager et de rendre lisible ce niveau d'exigence pour ceux qui vont acheter. Et ça va faciliter cet acte d'achat parce que finalement, on offre un vecteur d'achat simple qui sera accessible à toutes les structures qui le souhaiteront pour acheter en confiance et acheter des solutions qui ne sont pas encore dans un système de labellisation, mais ça préfigure finalement cette exigence vers laquelle on veut aller, cette offre, ce service qu'on veut proposer à terme, qui sera de labelliser les solutions. Pour pouvoir bénéficier de ça, on met en place une mécanique, c'est notre rôle, nous, de régulateur. On va bientôt, dans quelques jours, sortir une instruction aux agences régionales de santé qui accompagnera la distribution des crédits et des 30 millions dont on parlait. Cette instruction, elle précise notamment comment les structures vont pouvoir bénéficier du fonds d'amorçage. Pour en bénéficier, elles vont devoir répondre à un appel à projet que les ARS vont lancer. Alors, on espérait fin d'année, mais le Covid en aura probablement décidé autrement. Les ARS vont lancer un appel à projet, les structures seront invitées à répondre et seront sélectionnées sur la base de critères d'éligibilité. Ça va être évidemment qu'on soit bien dans l'objectif, c'est-à-dire se doter d'un dossier usager ou mettre à niveau sa solution, s'appuyer sur le marché national qu'on met à disposition. C'est un outil, mais évidemment, c'est aussi une condition pour bénéficier du financement. Ça va être un certain nombre de critères d'éligibilité du projet qui permettent de passer la première étape.
Ensuite, il y a des critères, il y aura des critères qu'on va appeler de priorisation. C'est-à-dire qu'évidemment, notre enjeu, c'est aussi que dans les territoires, les agences régionales de santé, elles ont leurs priorités et que l'entrée du médico-social dans la feuille de route du numérique, à leur échelle, elle correspond à des priorités. Et parmi les priorités, il y en a une que je souhaiterais mettre en avant, c'est à la fois un critère d'éligibilité et de priorisation, c'est qu'on invite fortement, et là, c'est une condition de financement, les structures à se regrouper, à travailler ensemble. On souhaite, ça ne sert à rien de soutenir un établissement tout seul isolé pour rentrer dans l'ensemble. Il faut que les structures travaillent ensemble et finalement, elles portent un projet ensemble, elles portent un projet aussi d'achat ensemble et un projet d'animation ensemble autour du numérique. Dernier élément, peut-être qui est important, c'est que nous, ces 30 millions, donc c'est, pour ceux qui connaissent, ça ressemble au plan d'aide à l'investissement qu'on a dans le champ immobilier. Donc, pour candidater, il y a un logiciel qui va s'appeler PAI numérique qu'on va mettre en service et qui permettra de déposer son dossier, de savoir où il en est et qui sera administré par les agences régionales de santé. Tout ça, c'est très bien, ça permettra de sélectionner les projets seront financés à hauteur de 40% du montant total de la subvention au moment de la sélection, c'est-à-dire quand ils seront retenus, il y aura un premier versement qui va être le coup de pouce pour démarrer, et notamment pour travailler sur sa propre expression de besoin, son cahier des charges pour acheter le bon logiciel, bien dimensionner son projet. Il y aura un deuxième versement de 40% du montant total, qui sera au moment où on aura fini la phase de paramétrage, de préparation, et on va se lancer dans le déploiement. Et il y a Olivier, on reviendra peut-être sur le détail, la mécanique, de l'appel à projet, si on a des questions de nos participants à ce sujet. Mais ce qui était important, c'était de comprendre le contenu du programme, les grands principes qui animent la Caisse nationale Solidarité pour l'autonomie. En la matière. Et peut-être un dernier mot sur l'animation. Vous soutenez aussi les ressources humaines, le financement des ressources humaines. Complètement. À ce stade, dans la phase d'amorçage, ce soutien aux ressources humaines, on le positionne au niveau des ARS et des grades. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans l'installation d'un cadre de pilotage, d'animation et de synchronisation de l'effort technique sur les déploiements de ces services socles, la messagerie sécurisée de santé, etc. On sait, et je vais passer évidemment, Benoît aura beaucoup de choses à nous dire là-dessus, ça c'est la phase, c'est le cadre, c'est le pilotage, l'animation territoriale, mais évidemment, ça ne peut se faire aussi que si en parallèle, on accompagne vraiment les acteurs de terrain, ceux qui vont l'utiliser, ceux qui vont le mettre en place, plutôt les structures qui vont s'emparer du numérique. Et ça, effectivement, c'est dans notre écosystème et dans notre organisation le rôle de l'ANAP. Merci beaucoup, Olivier. Alors, effectivement, l'accompagnement, l'appui, c'est le rôle de l'ANAP. On va en parler avec Benoît Huet, qui est chef de projet à l'ANAP. Bonjour, Benoît. Bonjour. On parlait de travailler collectivement. Alors, vous, votre message aujourd'hui, c'est de nous parler de ces collectifs, systèmes d'information médico-sociaux qui sont déployés dans les territoires, qui ont vu le jour. Déjà dans le nord de la France, si j'ai bien compris. De quoi s'agit-il? Quels sont ces collectifs? Comment ils sont composés? Expliquez-nous tout ça. Alors, je vais faire un petit peu d'histoire récente, parce qu'on parle de moins de deux mois. Là, Dominique nous a donné un peu la fiche et là, nous a raconté un peu le cadre, les règles. Et Olivier nous a raconté comment financer les joueurs. Maintenant, le moment de jouer, au fond, on ne va pas arrêter le vent de touche, c'est important qu'on se rende. Alors, dans le secteur haché. Ah, vous n'entendez pas tout à fait, est-ce que je dois me rapprocher? Si vous vous rapprochez, c'est mieux. Oui. Enfin, là, c'est mieux. Voilà, alors je continue. Est-ce que je dois reprendre? Peut-être, oui. Alors, je voulais simplement toucher deux mots le fait que Dominique nous donne un petit peu la philosophie. Du numérique dans le secteur médico-social, c'était nécessaire. Et là, nous a décrit un peu les règles du jeu, le cadre, comment on allait jouer. Olivier nous a dit comment on finançait les joueurs. Mais au fond, maintenant, il ne faut pas rester sur le banc de touche, il faut se lancer. Voilà. Et l'un des points très, très importants, le déclencheur du mouvement,
D'un côté, c'est le directeur de structure et de l'autre côté, c'est le professionnel qui utilise l'outil. Voilà. Alors, on s'est beaucoup penché sur le fait que le directeur, qu'est-ce qui l'empêche d'y aller parce qu'il est un petit peu freiné par des questions. Il ne sait pas comment faire, il ne sait pas comment acheter. Voilà, alors vous avez entendu des mots dans, d'Olivier Lella qui précise un petit peu qu'on essaye de répondre à tout ça. Alors nous, à l'ANAP, on a simplement sorti un kit directeur et on a essayé de décrire un petit peu ce qui se passait, ce qu'on pouvait gagner avec le numérique. Voilà, un kit qui permet de guider un peu le directeur. Mais au fond du papier, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, ça ne suffit pas. Il faut s'y mettre. Voilà, et l'une des... seule manière qui marche vraiment, c'est d'accompagner la structure localement, de pouvoir la guider, informer les directeurs, leur décrire ce que le numérique peut apporter dans leur structure, pour leurs professionnels, pour leurs usagers. Et cette notion de local, de proximité, d'écoute, voilà, l'un des points qui a marché le mieux sur les dernières années, c'était un collectif plutôt de type régional, porté par des fédérations, et, mais fait de personnes humaines, c'est-à-dire plutôt des professionnels qui sont des responsables numériques dans un organisme gestionnaire, se sont mis autour de la table, ils ont dit « c'est pas possible dans le secteur, il va falloir qu'on soutienne d'autres structures parce que sinon on ne va jamais y arriver ». Et en fait, ils ont pris l'initiative. Ils sont allés voir un petit peu les fédérations, ils sont allés voir aussi l'ARS, ils ont commencé à conseiller les structures, à conseiller les directeurs. Et au fur et à mesure, c'est construit une forme un petit peu qu'on arrive à décrire un petit peu maintenant, c'est qu'on pourrait dire un collectif médico-social régional. Voilà. Alors, à quoi il sert ? Le premier point, c'est qu'il éclaire la structure, voilà, il éclaire le directeur, permet de comprendre les besoins, il permet de définir des difficultés. Le deuxième point, c'est qu'il éclaire aussi les fédérations, parce qu'il y a des éléments du numérique qui sont au fond politiques. Voilà, il y a des choix à faire. Et, les fédérations ont leur rôle à jouer, impérativement. Et le troisième chose, c'est que ce petit groupe de responsables numériques sont venus auprès des ARS en leur disant « il y a quand même quelque chose à faire, il y a une vraie stratégie à poser ». Sur la région pour les structures médico-sociales. Et donc, ils sont venus aussi en aide. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le Nord, l'ARS des Hauts-de-France ont osé, en fait, investir un petit peu dans ce collectif et subventionner. Et les résultats sont plutôt très positifs. Donc, au fond, ce qu'on aimerait bien, c'est que les collectifs naissent un peu de droite et de gauche, qu'on ait des responsables numériques se disent « je ne vais pas rester que dans mon organisme gestionnaire, je vais oser travailler avec d'autres responsables numériques et on va essayer de constituer un petit collectif pour pouvoir répondre au secteur parce que, au fond, et c'est ça qui est relativement intéressant, c'est que ces responsables numériques, oui, techniquement, ils sont très bons, ils ont des compétences techniques, mais ils ont un cœur social. Voilà. Et c'est ce cœur social qui fait qu'ils se sont mis autour de la table et qu'ils se sont dit « on ne peut pas s'arrêter là ». Voilà. Alors, ça veut dire que chaque établissement pourra trouver un référent de ces sujets à l'ARS auprès du groupement d'appui au déploiement de la e-santé, où c'est déjà le cas dans la plupart des régions, où c'est en train de se mettre en place. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la première vague de confinement a poussé un petit peu les choses. Hein. On a pas mal de régions où les ARS se sont penchés sur le sujet, les fédérations aussi, et puis les responsables numériques aussi. Alors, tout le monde est un peu en train de construire son collectif. Donc, c'est intéressant en tant que directeur, de poser la question à sa fédération et de dire « et moi, dans ma région, est-ce qu'il y a un collectif ?» Peut-être qu'il y a au moins un groupement, peut-être qu'il y a des référents numériques qui sont prêts à répondre à leurs questions. Je pense que c'est l'une des choses à faire en premier. S'il y a peut-être un point à voir juste avant d'aller voir sa fédération, c'est de lire ce kit du directeur. Ça permet quand même de bien comprendre ce qu'un directeur peut attendre du numérique, ce qu'il a besoin de comprendre. L'essentiel, au fond, c'est de rester sur la stratégie pour lui
Et son deuxième acte, c'est d'aller voir sa fédération régionale. Merci Benoît, on va revenir auprès de vous pour quelques questions éventuellement. Alors je crois que la vidéo s'est arrêtée quelques minutes, donc nous sommes vraiment désolés de cette interruption, mais je peux vous dire que le replay sera complet puisqu'il est enregistré ici donc dans les locaux de la NAP. Donc une heure cinq après le démarrage, si vous avez eu une coupure, vous pouvez vous reporter sur le replay aux propos qui vous auraient échappé. On a une première question sur le calendrier. Est-ce que Ella Gariani peut-être ou d'autres, vous pouvez nous préciser quel est le calendrier que vous avez prévu de déploiement des différents outils, des outils principaux, des outils socles? Est-ce que l'année 2021 est une année clé pour tout cela? Oui, alors nous, on est vraiment là sur les chapeaux de roue sur le déploiement des services et des référentiels socles. Je ne pourrais pas vous lister l'ensemble des échéances. Je vais vous demander d'aller jeter un œil du coup à la trajectoire du numérique pour le médico-social. Vous y retrouverez tous les jalons action par action. Par contre, ce que je peux vous dire en vous mettant en visibilité les principaux jalons, c'est que l'espace numérique de santé, qui est donc le service vraiment orienté citoyen dans lequel l'ensemble des usagers de notre système de soins pourront aller d'abord consulter, alimenter et gérer la distribution et la diffusion de leurs données de santé, celui-là, il est prévu pour le 1er janvier 2022, parce qu'en fait, c'est une échéance qui est inscrite dans la loi. Et donc, on est vraiment sur les starting blocks en train de construire ce produit pour pouvoir en sortir des premières versions dès l'année 2021 que chacun d'entre nous pourront tester. Et puis, autre élément de calendrier très important pour le médico-social. Donc, comme le disait Olivier, pour ESMS numérique, phase d'amorçage, l'instruction aux ARS, elle doit partir d'ici quelques semaines maintenant, ce qui fait qu'on pourra voir les premiers projets financés dès 2021, dès début 2021. Et pour ce qui est des crédits qui nous permettront donc de généraliser ce programme d'investissement, ils seront disponibles dès le 1er janvier 2021 et très certainement qu'on fera en sorte dès les premiers mois d'abord de construire les équipes au niveau régional pour renforcer un peu l'esprit que vous présentez, Benoît, sur la mutualisation des moyens au niveau des régions. Alors, une question pour Dominique Pont. Est-ce que, Dominique, il n'y a pas un risque à donner un coup d'accélérateur à ce déploiement numérique dans le médico-social alors qu'on est encore en pleine crise de Covid et que peut-être on peut faire cela de façon désordonnée? Quelle est la mesure de ce risque? Pour moi, le plus gros risque en France, c'est jamais d'avancer trop vite. Le risque en France, c'est d'avancer trop lentement. Donc, moi, ce n'est pas trop dans mon tempérament de dire « Non, mais attendons encore 4-5 ans, on va voir ce qui va se passer. » Donc non, moi, je pense que sincèrement, les outils numériques, c'est typiquement fait pour pouvoir se faire comme ça, comme on fait aujourd'hui en visio. On peut se coordonner, on peut déployer des choses. Les acteurs du numérique eux-mêmes ont l'habitude de travailler comme ça via le numérique et via des outils numériques. Moi, je pense vraiment que là, on n'a pas d'alibi à, encore une fois, repousser les choses. Il faut avancer quand même. Est-ce qu'il faut pousser les établissements à se grouper mais statutairement? Les groupements de coopération et de moyens sont-ils un bon outil pour avoir une taille critique et les ressources nécessaires pour déployer le numérique en ESMS? Une question de participant. Alors, on n'est pas prescripteur et je ne suis pas certain qu'il faille monter une structure juridique. Olivier, merci de prendre la parole, mais il faudra vous rapprocher. Voilà. Oui, est-ce que c'est mieux? Oui, on n'est pas prescripteur d'une modalité juridique. Après tout, une simple convention entre acteurs, a priori, devrait pouvoir suffire. En revanche, le prérequis, entre guillemets, de se regrouper autour d'un projet, celui-là me paraît fondamental. En tout cas, on le met comme un critère d'éligibilité pour bénéficier du financement. Alors, il y a une autre question. On vous demande quel est le périmètre précis. Quand vous parlez du médico-social et du virage numérique dans le médico-social, est-ce que vous englobez l'ensemble du périmètre, qui est vraiment très divers, hein, puisque je crois qu'on compte 8 champs possibles, ou est-ce que vous allez progressivement sous-secteur par sous-secteur?
Alors, on va avoir cette logique d'élargissement progressif. Peut-être pour préciser effectivement le périmètre de départ, qui est lié aussi à la nature des histoires de tuyauterie, mais ça a parfois son importance, la nature des crédits qu'on a réussi à mettre de côté. Ce sont des crédits d'assurance maladie au départ. Et donc, la première cible, ce sont des structures personnes âgées, personnes handicapées, enfants, adultes évidemment, qui ont au moins un euro, j'allais dire, d'assurance maladie. Maintenant, il est évident que dans notre raisonnement, on ne peut pas se dire, dans une logique de parcours, on va exclure un type de structure, notamment parce que son financeur ne serait pas le bon. Et donc, dans notre raisonnement, la porte d'entrée, c'est les structures PA, PH, financées ou cofinancées par l'assurance maladie. Mais si dans le projet, on a des structures 100% conseil départemental, il faut y aller. Il faut évidemment y aller. Ensuite, il y a d'autres champs, comme la dictologie, comme la protection de l'enfance, comme le champ plus social finalement aussi, qui seront plutôt embarqués dans la deuxième, dans la phase du Ségur, dans la phase de généralisation. Et là, on pourra peut-être nous en dire deux mots. Nous, on partait humblement de 30 millions d'euros. C'est vrai que maintenant, on a une masse financière qui va nous permettre d'aller vraiment beaucoup plus loin. Merci. Et là, vous voulez ajouter quelque chose ou... Non, à part de dire effectivement que là, on est en train d'instruire les modalités financières, parce qu'effectivement, quand on parle d'argent, il faut qu'on gère les tuyaux pour pouvoir financer au-delà du périmètre PA, PH financé par l'assurance maladie. Sinon, de manière générale, sur toutes les actions de la feuille de route et vraiment la vision globale qu'on essaye de mettre en place pour le développement des usages numériques dans le secteur, nous, on a une acception extrêmement large. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des données qui doivent circuler d'un établissement à un autre pour garantir la continuité des soins et de l'accompagnement aux personnes, alors oui, ces acteurs-là peuvent entrer dans le périmètre de la feuille de route. Benoît, on voudrait savoir si les représentants des usagers sont prévus dans ces collectifs, sont rassemblés avec les autres acteurs. À date d'aujourd'hui, dans les expérimentations qui ont lieu, la représentation des usagers n'est pas intégrée à l'intérieur. Par contre, ils sont consultés assez régulièrement. Mais au fond, je crois que c'est plutôt les acteurs qui font ces collectifs-là. Donc, on n'est pas dans un schéma carré, fermé, enfermé. L'important, au fond, c'est de pouvoir se dire, on va vers le numérique. Et si la représentation des usagers permet d'aller un peu plus loin, parce qu'au fond, une partie de l'information qui est en structure a besoin d'être échangée avec l'usager, eh ben, ça paraît relativement logique que les représentations d'usagers arrivent dans les collectifs. Dominique, je peux intervenir là ? Bien sûr. Compléter un peu la réponse de Benoît. Ce qu'a annoncé là tout à l'heure, qui est un grand projet emblématique dans le virage numérique en santé, qui est l'arrivée au 1er janvier 2022 pour tous les citoyens français depuis leur naissance, d'un vrai outil dans lequel chacun pourra récupérer ses données de santé et interagir avec le système de santé. Donc ça, c'est 2022, tout début 2022. Et ça, là, cet outil-là, il est co-construit avec les citoyens, avec les usagers, avec les associations de patients. Et depuis un an, on a fait tout un tas d'ateliers citoyens sur tous les territoires, dans plein de cas d'usage, dans des coins reculés, avec des personnes handicapées, avec des gens exclus de l'emploi, etc., dans plein de situations. Et je fais de la pub, le 19 novembre, on fait un événement qui s'appelle les Assises citoyennes du numérique en santé. Ça sera animé par Michel Simès. On va restituer un grand sondage qu'on a fait sur les attentes des Français sur le numérique en santé de façon très précise, sur la restitution des ateliers. Et là, une fois n'est pas coutume, c'est les gens du système de santé qui seront dans la salle et sur la tribune, les héros, ça sera les citoyens eux-mêmes, les associations de patients qui vont dire voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on ne veut pas. Donc, le 19 novembre après-midi, vous pouvez vous inscrire en ligne. Assises citoyennes du numérique en santé. Alors, une question complémentaire qui porte sur l'aide à domicile, en fait, est-ce ce virage numérique qui ne se limite pas ? Est-ce qu'il se limite aux établissements ou est-ce qu'il va avoir une orientation jusqu'au domicile à terme ? Le domicile fait évidemment partie de notre objectif. Pour ce qui concerne les services d'aide à domicile, qui sont une offre en particulier, on les inclut à la fois dans le travail de structuration d'une expression de besoin et de marché national.
Et évidemment, en cible, ils sont aussi dans notre périmètre. Mais c'est vrai que c'est un secteur qui est très particulier pour le coup, qui a déjà réfléchi à ses systèmes d'information, à son interopérabilité. Il faut qu'on l'aide à aller plus loin encore. Donc, oui, notamment sur des éléments de liaison avec avec les autres acteurs. Alors, Olivier, et peut-être Benoît complétera, il y a une question qui porte sur le rôle et la mobilisation de chaque équipe à la NAP, à la CNSA, éventuellement à la DNS. On peut aussi citer l'Agence du numérique en santé. Donc, vous êtes plusieurs organisations impliquées dans ce programme, dans cette feuille de route. Peut-être en quelques mots, qui fait quoi, hein. On a bien compris tout à l'heure, ANAP, c'est appui accompagnement, CNSA pilotage. Mais enfin, on aimerait vous entendre et peut-être les autres intervenants sur les rôles très précis de chaque organisation. Alors effectivement, on est sur un collectif, nous aussi, et quand on s'est monté progressivement à partir de l'été 2019, on a chacun progressivement trouvé notre place. Effectivement, l'ANAP, par son travail, sa capacité à embarquer des acteurs sur ces sujets, des métiers, des pratiques, du collectif, a une place toute naturelle, de même que l'Agence du numérique en santé, notamment sur les éléments plus techniques, sur les services socles, sont évidemment des partenaires très forts. On travaille tous, juste pour le préciser quand même, on travaille tous avec une coordination, un pilotage stratégique par la DNS qui nous aide aussi à chacun trouver notre place. Nous, CNSA, évidemment financeurs, évidemment en structuration du programme et on est aussi financeur de différents acteurs dont la NAP, dont l'ANS, dont d'autres acteurs. Donc on est dans cette logique d'assemblage, chacun avec son expertise, ses compétences et sa capacité à aller de la structuration de programmes de financement à la structuration de programmes d'émergence et d'animation de collectifs. Je ne sais pas si ma réponse, si ça répond tout à fait à la question, mais évidemment, et là, Benoît, allez-y, n'hésitez pas, évidemment. Je crois que c'est important. Vous voulez ajouter, oui. Oui, en fait, j'ajoutais pas grand-chose parce que oui, on est constitué comme un collectif et on est aussi des collectifs qui, chacun d'entre nous, on a créé des collectifs autour de nous. Au fond. Et ça, c'est vraiment important. Des collectifs de structures, d'organismes gestionnaires, de spécialistes, d'éditeurs, de personnes un peu en avance. En fait, on a plusieurs collectifs autour de ce collectif. On a vraiment voulu être dans la philosophie du secteur médical. C'était important pour nous. On revient sur une question plus globale, sur le projet Ma Santé 2022. Alors, c'est peut-être Dominique Pont qui va nous répondre. Est-ce qu'il a pris du retard en raison de la crise sanitaire? Et s'il a pris du retard, est-ce que la feuille de route va être mise à jour? Le volet numérique, en fait, de Ma Santé 2022, donc la feuille de route qu'on a présentée en présence d'Agnès Buzyn, annoncée il y a un an et demi, donc qui comportait 26 actions. Depuis, on en a rajouté 4, notamment pour intégrer la partie médico-sociale. On est à 30 aujourd'hui. On n'a pas pris un mois de retard sur chacune des actions, ce qu'il faut que les gens qui écoutent ou qui sont connectés se rendent compte, c'est que on est ultra, ultra, ultra déterminé. Je dis souvent, c'est comme me disent mes enfants, on est déter, quoi. On est hashtag méga déter pour faire avancer ce sujet. Et donc, malgré la crise, malgré les évolutions, les changements de ministres, etc., il y a une grosse cinquantaine de gens ou une centaine de gens qui travaillent autour du numérique dans toutes ces instances nationales et territoriales où on bosse jour et nuit pour faire avancer ce truc. C'est sûr que ce n'est pas ultra visible et ce n'est pas ça qui va nous faire passer au journal de France 2. OK, mais dans l'ombre, on avance parce qu'on veut respecter la parole qu'on avait donnée il y a un an et demi. Donc, il y a eu 0 mois de retard sur aucune des actions de la feuille de route. Merci, parfait. Une question peut-être pour Olivier Paul, c'est sur le fonds d'amorçage. Est-ce qu'il pourra financer des démarches d'ingénierie, des démarches de l'AMO en fait, pour l'élaboration d'un schéma directeur, par exemple,
Alors non, on l'a pas prévu, comment dire, on a prévu de l'assistance à maîtrise d'ouvrage parce qu'on ne peut pas se lancer tout seul dans un projet de paramétrage sans avoir un minimum d'accompagnement. Même exprimer son besoin, structurer le projet, c'est nécessaire. Après, sur des projets typiquement d'élaboration d'un schéma directeur de système d'information, non, c'est pas prévu dans le fonds d'amorçage. On peut y réfléchir pour la partie Ségur, mais pour l'instant, dans le fonds d'amorçage, non. On n'aurait pas, on n'a que 30 millions pour démarrer. Alors, tourne vers Benoît. Oui. Oui, je voulais simplement dire, c'est un des éléments qui est important, hein, le schéma directeur. On a fait un kit spécial aussi dans ce kit du directeur, on a fait plusieurs documents pour accompagner un schéma directeur de manière très simple pour un directeur de structure. Mais c'est vrai, en disant, en partageant le point de vue d'Olivier, on ne pouvait pas tout attaquer non plus. Voilà. Benoît, on reste avec vous pour une question sur les moyens humains, les ressources humaines. Elles sont vraiment bien mobilisées en ce moment, donc pour faire face à la pandémie. Et est-ce que ce n'est pas plus difficile de les mobiliser? Est-ce que c'est le bon moment pour les mobiliser aussi, en plus, sur le virage numérique? Comment faire? Je crois qu'en fait, la réponse a été en partie donnée tout à l'heure par Dominique. Hein. On trouvera toujours des prétextes pour ne pas y aller. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui me paraît vraiment important, c'est qu'en fait, les deux vagues de Covid montrent à chaque fois que le numérique est pertinent pour le secteur médico-social. Peut-être pas sur tous les sujets, mais sur pas mal de sujets des professionnels. Les professionnels arrivent à accompagner un peu mieux leurs usagers grâce au numérique. Ce n'est pas obligatoirement une révolution qu'on demande, on demande simplement d'intégrer le numérique comme un outil au service des professionnels pour qu'ils travaillent un peu mieux. Et plus tôt on pourra leur donner ça, et plus tôt au fond on pourra leur rendre service, et on pourra rendre service aux usagers. Une question sur les fournisseurs de dossiers de l'usager informatisé. Est-ce qu'il y a dès à présent une liste de fabricants engagés dans cette dynamique? Est-ce que le référencement a commencé? Alors, on les a rencontrés, puis je laisserai peut-être Benoît compléter, mais on les a rencontrés évidemment dans le cadre de la préparation de la phase d'amorçage et dans la conception de notre marché et de notre trajectoire. Il n'y a pas aujourd'hui une liste fermée d'éditeurs estampillés qui auraient le droit de faire quelque chose en particulier. Notre démarche a été inversée. On prépare un marché national dans lequel les éditeurs vont pouvoir se faire, entre guillemets, référencer. C'est un marché public. Hein. Et on a un système qu'on appelle un système d'acquisition dynamique, peu importe, un système qui est ouvert dans le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un éditeur aujourd'hui n'est pas prêt qu'il ne pourra pas l'être demain et qu'il ne pourra pas rentrer dans notre marché. Donc, il n'y a pas aujourd'hui une liste, il y a plutôt un appel à se positionner, à se préparer pour être, j'allais dire, en conformité avec le niveau d'exigence et du coup pouvoir accéder à un vecteur d'achat pour les structures facilité et subventionné. Donc, pas de liste fermée pour l'instant. Très bien. Merci Olivier, merci Benoît, merci Ella, merci Dominique. Merci à vous quatre pour ce moment, cette heure, presque heure et demie que nous avons passée ensemble, où j'espère donc les choses sont plus claires sur les ambitions des pouvoirs publics et l'aide et le soutien que les établissements vont trouver auprès de vous tous pour mener leur transformation numérique. Tous ces échanges peuvent être poursuivis sur un forum de discussion qui est ouvert sur le site de l'ANAP, anap.fr, anap.fr, que vous connaissez peut-être déjà. Et vous y trouverez des réponses aux questions que vous auriez posées, mais pour lesquelles il n'y aurait pas eu de réponse cet après-midi. N'hésitez pas donc à vous connecter régulièrement sur le site de l'ANAP.fr. N'hésitez pas non plus à vous inscrire, à regarder, à suivre quels sont les calendriers de webinaires de l'Agence du numérique en santé. Le 26 novembre prochain, l'Agence numérique en santé organise un webinaire sur la trajectoire du numérique en santé pour le médico-social, présentation et perspective. Donc on peut vous encourager à regarder ça de plus près.
trajectoire du numérique, donc adaptée à vos besoins, à vos préoccupations, qui vous permettra de vous projeter dans les évolutions à venir. Voilà, merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Bon courage, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre entourage, et à une prochaine fois peut-être. Bonne fin d'après-midi.